Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la salle de la librairie Mola, la station Ozone, et bienvenue à Inky Bilal qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce samedi. Je vais donc commencer cette rencontre. J'ai choisi de débuter en parlant d'une sensation. En fait, c'est quand on a reçu le premier tome de Bug fin 2017, je l'ai rapidement feuilleté, et il y a une sensation de retrouvailles, en fait, littéralement, qui m'est un peu, qui m'est spontanément arrivée, qui m'a interpellé. Et en reprenant vos albums, je suis rapidement tombé sur la Foire aux Immortels, que j'ai relu avec grand plaisir. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait sans doute établir un parallèle entre cet album qui est sorti en 80 et Bug, qui est sorti un peu plus tard, dans le sens où, bon, sans rentrer dans les détails, mais le personnage d'Alexis Nicopol et de Cameron Hobb partagent pas mal de points communs. Mais surtout, ce qui m'a assez impressionné, c'est finalement ce panthéon de dieux égyptiens dans la Foire aux Immortels est bloqué à cause d'un problème de carburant, donc un problème de ressources. Et 40 ans plus tard, le monde, en fait, se retrouve finalement en panne de la nouvelle ressource mondiale qui est la donnée, quoi, la data. Et cette capacité que vous avez eue de discerner, en fait, la ligne de fracture, en fait, qui fait basculer notre monde un peu d'une apocalypse vers une autre, m'a laissé assez admiratif, cette capacité à saisir la ligne de fracture qui finalement définit les 10, 20 ou 30 années suivantes en problématique globale. Alors, je ne sais pas si vous avez travaillé à partir de ce parallèle ou pas. Alors absolument pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de... je pensais que vous alliez parler de mémoire. Après. Alors là, oui, là, il y a une constante absolue. La Foire aux Immortels, c'est vrai que c'est une... Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre une panne de carburant d'une pyramide volante, ce qui est une chose parfaitement courante, hein, vous en conviendrez, et un bug généralisé qui nous impacte tous, hein, puisqu'on a tous des appareils dans nos poches, que vous avez coupé, j'espère, parce que nous sommes en conférence. Mais en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de global, et qui impacte absolument le monde entier, les humains complètement, tous, les plus pauvres, qui sont nantis de cet outil. Donc c'est là que la chose devient à la fois terrifiante et incontournable. Moi, quand l'idée est venue très simplement, je le cite parce que c'est amusant, mais c'est un peu vrai. Je me suis jeté dans l'eau, dans une piscine, j'ai commencé à nager, j'ai senti tout d'un coup quelque chose qui battait contre ma cuisse. J'avais oublié mon portable dans la poche de mon... Donc, le temps de ressortir, de le sortir, de le poser sur le rebord de la piscine, il s'est mis à chauffer très vite. Je l'ai écarté parce que j'ai eu peur qu'il explose. Ouais. Il n'a pas explosé, mais il était mort. Bon. Et moi, pendant 3 jours, j'ai été orphelin de quelque chose dont je ne mesurais pas l'importance, mais de manière très nocive, hein, cette espèce d'addiction comme ça, où je commençais à me dire, mais un tel va m'appeler, c'est hyper important, je vais rater tout ça, je n'ai plus personne à... Bon, bref. Et... je pense que c'est de là que c'est venu à un moment donné. Je me suis dit, mais si tout disparaissait, si toutes les données que j'ai là qui m'impactent moi, mais si tout disparaissait partout dans le monde, alors les bugs, on en avait entendu parler déjà, il y a des cyberattaques, on sait que ça existe, on sait qu'on peut paralyser, TV5 avait été à un moment donné attaqué, pas paralysé, etc. Bon, on sait que tout ça, mais un truc aussi radical, bug, tout d'un coup le terme en anglais pour indiquer l'animal, l'insecte, le parasite, la bestiole, me dit, ça, c'est bien, les deux fonctionnent bien ensemble. Je pense à Alien, à partir de ce moment-là. Je pense à Mars, Elon Musk, qui veut partir, envoyer des hommes sur Mars dans les 15 ans qui viennent. Et voilà, tout ça est là pour fabriquer un point de départ d'une histoire dont j'imagine pas, à ce moment-là, la portée, parce que c'est ouvert sur... C'est d'une richesse incroyable. Le sujet est tellement fort que je me lance là-dedans en disant, je vais maîtriser ça, je vais avoir un personnage... Je vais lui mettre une tache bleue qui sera un marqueur, mais qui va avoir un sens, etc. Et très vite, je trouve la fin
Je pense que si j'avais pas trouvé la fin, je n'y serais pas allé. Je trouve la fin, et qui est une fin qui est pour moi imparable, parce que personne ne pourra me dire « ton truc, ça ne tient pas ». Ton truc, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas exister. Oui, ça ne peut pas exister parce que ça, c'est inconcevable. Mais ça n'est pas réaliste, ça n'est pas un geek fou qui a déclenché cette espèce de bug. Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des... Bon, bref, c'est pas un type qui a pété un câble dans la Silicon Valley ou son équivalent en Chine. Non, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement et donc qui permet une très grande liberté narrative et d'imagination et de questionnement. Et c'est là que la mémoire, évidemment, à ce moment-là, je ne réalise pas que c'est encore une fois une histoire de mémoire, comme dans Le sommeil du monstre, où c'était voulu d'emblée, mais là, c'est pas du tout voulu, et en fait, c'est le sujet. C'est quelque chose qui ressurgit. Oui. Est-ce que... Oui, alors... Donc, finalement, vous ne construisez pas votre œuvre en réaction ou par réflexion sur ce que vous avez déjà bâti ? Non, je pense que je progresse avec l'époque, avec le temps. Ce qu'on peut dire, c'est par exemple, très rapidement, dans les années 70, je travaille avec Pierre Christin, principalement, sur des problèmes... De région en France, donc la politique, la politisation. Donc on était dans cette actualité sociale très chaude hein, dans les années 70. Ensuite, on bifurque vers l'international, avec les Brigades Rouges, avec Aldo Moro, etc. C'est les phalanges de l'ordre noir. On est dans quelque chose d'à la fois d'historique avec les flashbacks sur la guerre d'Espagne et en même temps une réalité. Contemporaine de l'Europe de la fin des années 70, et puis ensuite, parti de chasse, c'est on annonce déjà la fin du communisme. Et à partir de là, même moi, avec lorsque je parle pas de la trilogie Nicopole, donc on parlait de La Force Immortelle, qui est un premier terrain d'essai personnel où je développe un peu des thématiques qui sont elles aussi souvent politiques et géopolitiques. Je vais surtout attaquer avec Le sommeil du monstre. Ce qui est ma méthode de travail, qui est dirigée, qui est liée à l'évolution du monde et à la zone qui est juste devant nous dans les 10-15 ans, qui sont dans la prospective. Et c'est ces questionnements-là qui m'amènent à trouver des thèmes qui m'embarquent. Pour la tétralogie du monstre, c'est de la guerre en ex-Yougoslavie, qui est mon pays de naissance, dont je ne comprends pas le traitement médiatique, je ne comprends pas la façon dont c'est abordé, dont c'est expliqué. C'est très compliqué, mais c'est très mal expliqué. Et c'est surtout, il y a une partie qui est totalement occultée, qui est la partie religieuse. Conflit de religion, c'était ça aussi. On parlait que de nationalisme à l'époque, mais il y avait ça aussi. Et ça m'amène à me poser la question des talibans en Afghanistan et à imaginer ce monde, la Yougoslavie en réduction, mais à l'échelle mondiale, l'obscurantisme qui peut en découler, et c'est comme ça que j'annonce, vraiment sans le vouloir, et ça ne m'amuse pas, le 11 septembre. Donc là, il y a cette zone qui est devant de notre futur proche, et ce qui m'intéresse avant tout. Voilà, c'est ces questionnements-là que je me pose. Donc ce n'est pas en fonction de ce que j'ai déjà fait ou pas, ce n'est pas en fonction de ce qu'on doit faire ou pas. Je pense que c'est tout simplement en fonction de ce que... de questionnements que suscite le monde dans lequel on vit et que vous tous aussi ressentez des questionnements. On a les mêmes, hein, je pense. Et avec le bug, ça ne pouvait pas être plus facile d'une certaine façon. Mais assez curieusement, personne, je me suis dit, mais un sujet comme ça a dû être abordé. Il doit y avoir une série américaine qui traîne quelque part. Il n'y a pas du tout. Ce thème de la mémoire que vous creusez, en fait, comme. Comment vous arrivez finalement à vous renouveler là-dessus ? Vous prenez des pistes différentes à chaque fois ? Parce que c'est un peu comme explorer des facettes différentes d'une pierre précieuse, un peu. Bah, c'est notre monde. Ouais. C'est en fait, c'est ça. C'est, par exemple, dans la trilogie du coup de sang,
c'était juste avant le bug, c'était le problème, c'était la planète. Alors, j'ai pas fait un travail d'écologiste, c'était pas le but, mais j'ai été même plus loin. C'est des fables, hein, donc c'est des fables qui sont pas faciles à lire, hein, forcément. Bug est beaucoup plus abordable. Animals, Julia et Rome, La couleur de l'air sont des livres assez exigeants, mais qui posent la question de la survie de notre planète et de notre rapport, notre responsabilité par rapport à ça. C'est la planète qui se venge, c'est la planète qui est comme un être humain. Donc ça, c'était aussi une des problématiques qui me paraissait utile de traiter, parce que à la prise de conscience, on a l'impression qu'elle a énormément tardé, et elle a énormément tardé. Elle existe, c'est vrai, mais on n'est pas dans l'action encore, hein, et le temps passe, et ça va aller très vite. Le réchauffement climatique, oui. C'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est pas... Trump qui a raison surtout, ben là il se trompe. Il se trompe surtout. Le cliché veut qu'on vous, on vous perçoit un peu comme un auteur de l'apocalypse. Je suis pas certain que ce soit vraiment le cas. Pas certain que ce soit vrai, non, ouais. Pas du tout. C'est pas du tout vrai. Je pense que vous êtes plutôt dans. Finalement, vous avez tendance. Il me semble à proposer un peu des pistes ou des débuts de solutions ou au moins des réflexions sur le chemin à suivre dans Bug notamment, qui est aussi finalement une histoire de résilience, de comment les gens peuvent s'organiser après une sorte après le chaos mondial provoqué par le bug. Je suis pratiquement au même niveau que vous tous, par rapport au bug, hein, j'entends. La seule différence, c'est que moi, je découvre avant vous ce qui se passe. Donc, le deuxième volume vient de sortir. Je connais la fin, ça, c'est une différence énorme entre nous. Mais je vous garantis que ce qu'il va y avoir entre le deuxième, là, qui vient de sortir, et la fin, cette fin qui sera en principe dans le cinquième, je n'en sais rien. Donc je suis complètement dans. Alors est-ce que je. Donc je... pourquoi ça? Parce que simplement, je trouve qu'on est dans. Je vis le problème du bug un peu comme si moi c'est comme ça, je commence à réfléchir à ça, comme ça maintenant depuis déjà pas mal de temps. Je me dis s'il n'y avait pas de numérique, comment je ferais ça? Comment je ne pourrais pas faire ça? Enfin, bon. Donc c'est presque un jeu amusant de voir à quel point on est démuni tout d'un coup. Donc il y a forcément une solidarité qui va se créer. Et puis surtout, il y a des projets. L'être humain ne va pas changer pour autant. Il y a ceux qui seront dans l'entraide, dans la solidarité, la grande majorité des gens, bien sûr. Mais il y a ces problèmes de pouvoir. Qu'est-ce qu'un pouvoir politique va faire? Qu'est-ce qu'une idéologie peut faire? Les mafias, les industriels, les lobbies, la Silicon Valley elle-même, et en tout cas les geeks, par exemple. Donc tout ça, pour l'instant, c'est à peine ébauché, c'est posé. On peut dire que les deux premiers volumes, si je devais estimer un temps dans l'action, ce serait 15 jours, 3 semaines maximum. Donc même le personnage principal de Hobb, il n'est pas encore conscient parfaitement de ce qu'il a en lui, cet alien, cette capacité incroyable d'avoir aspiré absolument à son insu. Il se retrouve possesseur de toutes les données du monde entier, à savoir c'est multi-Wikipédia multiplié par 1000, c'est tous les numéros de téléphone, toutes vos données médicales, intimes, il sait tout. Tout ce qui est numérisé, il l'a. C'est effrayant. Et il ne le sait pas encore. C'est Facebook qui signe. Il peut mal tourner. Hein. Il n'est pas du tout dit que, tout en gardant la même fin, Hobb ne devienne pas un salopard qui profite de son pouvoir. Je trouve que voilà, c'est pas impossible. Tout à fait. C'est dans ce qui est, la manière dont vous présentez les choses dans Bug, je suscite chez le lecteur des interrogations et un peu des envies finalement sur les personnages ou des craintes. Et notamment, comme je sais que vous avez traité l'obscurantisme religieux à travers du sommeil du monstre, je me demandais est-ce que Hobb n'est pas forcément un personnage qui peut aussi devenir prophète ou. C'est tentant. Ouais. Vous tenterez, hein, vous êtes mariés.
Non, pas... non, je ne sais pas, je ne pense pas. Il pourrait. Non, mais quand je dis qu'il peut devenir, effectivement, un... il peut jouer pour lui, enfin, pour lui ou pour son... Mais il va... C'est... Bon, c'est un... je ne sais pas ce qui va lui arriver, franchement. Hein. Mais c'est intéressant, par exemple, je me pose moi-même presque des pièges. À la fin du 2, j'annonce quand même une prise de pouvoir mondiale, mais dans différents endroits de la planète, en Russie. En France, déjà, on a une présidente qui est une jeune femme, une noire. Aux États-Unis, ça va aussi basculer du côté des femmes. En Russie, ça va basculer du côté d'une tsariste pur jus. Et il y a un mouvement féministe, là encore, qui a viré tous les hommes et qui est concentré du côté de Barcelone dans une espèce de tour comme ça qui sort de l'eau, de néo-marxistes. C'est-à-dire des jeunes femmes, des femmes qui décident de redonner une chance à Marx, qu'elles considèrent comme trahi par les hommes, les mecs, du XXe siècle. Ce qui est un peu vrai. Ce qui est un peu vrai. Et donc, elle part avec la conviction et avec toutes ces troupes de femmes brillantes, hein, avec l'idée de restaurer de manière utopique, mais une nouvelle forme de marxisme. Bon, donc avec un tableau comme ça où le pouvoir traditionnel est féminisé, j'ai de quoi mettre à contribution. Et puis en plus, Hobbes a été enlevé par l'un de ces groupuscules. Voilà. Il y a un côté polar dans Bug. Il y a quand même un côté comédie aussi. Il y a des moments où on rit beaucoup. Notamment ces mafieux qui ressemblent, enfin, c'est une armée de bras cassés, quoi. Cet humour là, il s'est imposé de lui-même ou c'est Il s'est imposé de lui-même parce que le sujet étant tellement grave, puis même, c'est je pense que c'est dans la nature humaine. Et moi, je contrairement à ce que certains croient, j'ai beaucoup d'humour. Je l'ai montré dans La Force Immortelle, dans tous mes albums. Mais il faut creuser un peu. C'est pas la grosse rigolade, c'est pas des gros nez. Hein, mais vraiment, je suis très preneur. Et je pense en plus que, par exemple, il y a une double page dans le premier volume qui est parce que j'expose un peu le problème du bug, où il y a des vues aériennes de Londres, de New York, comme ça, et sur des trois premières images, donc. Il y a des textes qui font une espèce de décompte macabre, oui. Macabre, hein, des conséquences immédiates et brutales du bug. Alors, qu'est-ce que c'est que les conséquences immédiates et brutales d'un bug? C'est que, au même moment, tous les ascenseurs du monde s'arrêtent. Vous imaginez, avec le décalage horaire, vous imaginez le nombre d'ascenseurs qui sont en route, avec en plus les tours qu'on a maintenant. Bon, je veux dire, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes emprisonnées tout d'un coup. Que deviennent-elles? Je sais pas comment on appelle le dépanneur, le réparateur quand il n'y a plus rien. Bon, les avions, tous les avions qui sont en vol et qui sont plus pilotés par des hommes ou des femmes. J'espère que la parité va arriver là aussi. Il y a de plus en plus de femmes qui pilotent, c'est bien. Oui. Mais là, ils vont bientôt arrêter les pilotes parce que tout sera automatique, tout sera numérique. Et là, combien d'avions s'écrasent? Énorme là aussi. Les hôpitaux à l'arrêt, les opérations en cours. Bref. Alors là, après, on commence. Et du coup, je fais ces trois images avec des vues aériennes. Et à ce moment-là, je me dis, mais il y a tous ces millions de personnes qui meurent en même temps, etc. C'est terrifiant. Et donc, je me dis, je vais détendre l'atmosphère et je pose l'image de ce type qui est en lévitation, qui est bloqué en lévitation au-dessus de Central Park. Parce qu'il a 87 ans, c'est un milliardaire et il se faisait des petits plaisirs comme ça. Il pouvait se payer ce joujou extraordinaire qui permet de se déplacer en lévitation. Voilà. Alors il s'est bloqué. Alors je sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas le numérique a fini par le bloquer. Il reste. Ouais. Ça, c'est assez amusant parce que ça fait plaisir aux gens. Et moi, ça me fait plaisir. Et du coup, ça fait passer le décompte morbide qui précède. Ça, c'est de l'humour. Il y a un autre thème dans Bug qui semble vous tenir à cœur, que vous développez, que vous avez déjà développé maintes fois à travers votre œuvre, c'est celui du transhumanisme.
dans Mecha Hume Animal. De toute façon, pour moi, c'est des représentations du transhumaniste. Mmh. Et vous faites assez souvent référence dans le tome 2 à monsieur Ray Kurzweil, voilà, ouais. qui écrit d'ailleurs une lettre à Cameron Hobbes. C'est une fascination alors pour vous, cette idéologie? Oui, c'est une idéologie très puissante, très riche, puissamment très friquée, évidemment. Bah, ça me fascine, oui, parce que ça fait partie des... je veux dire, en 2000 ans d'histoire, l'homme a vachement évolué. Avant, les Égyptiens, les civilisations ont montré des choses absolument extraordinaires, magnifiques. Mais rarement, on en était arrivé au stade de se dire « on va faire mieux que ce qu'est l'homme naturellement ». On essaie déjà de l'améliorer par la santé, on y arrive, on prolonge la vie, etc. C'est une aventure magnifique. Mais le terme qui me fascine, c'est l'homme augmenté. C'est un terme qui est maintenant entré dans les usages. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est assez clair, en fait. On augmente ses capacités. Alors, il y a l'homme augmenté avec des prothèses, il y a l'homme augmenté avec pour réparer. Il y a cet athlète qui a défrayé la chronique, qui n'a pas de jambes et qui a des espèces de prothèses très, très, très... très esthétique en plus, c'est assez impressionnant, et qui court plus vite qu'un homme normal. On imagine en plus toute l'étendue des progrès qui sont faits déjà et qui vont être faits. Il y a toute la partie invisible des nanotechnologies qui vont venir interférer dans notre corps même, sur des organes, sur le cerveau, capacité d'augmenter les... Bon. Donc on est dans quelque chose de vraiment fascinant, et à la fois de terrifiant. Et là encore, se profilent des inégalités incroyables. Parce que les riches, les nantis, le pépère, là, qui a 87 ans, qui est en lévitation, vous imaginez, ça se trouve, j'aurais dû, d'ailleurs, j'ai raté cette occasion, il a 127 ans. Il n'est fait que 87. Oui, oui. On est là-dessus. Donc ça, c'est pas... Ça se passe en 2040, en plus. On est entré dans cette réalité-là. On y est. Vous aimez dire que la SF n'existe plus. Oui, mais bon. Qu'on vit à l'intérieur. Oui, moi, je pense qu'une certaine science-fiction n'existe plus. Mais on est dedans. En fait, à la librairie Mola, nous aussi, on est très sensibles au bleu. Et donc, le bleu, finalement, c'est un peu votre... C'est, au fil du temps, c'est devenu un peu votre couleur totémique ou un peu une marque de fabrique. Et le stigmate bleu qui recouvre progressivement le visage de Cameron Hobbes et de sa compagne. En fait, dans cet album, vous présentez ça comme quelque chose... potentiellement d'assez négatif, en fait, et alors que c'est plutôt associé de manière positive à ce que vous faites. Donc c'était une manière de déstabiliser un peu le lecteur ou de vouloir sortir d'un lieu commun, en fait, ou d'un cliché autour de cette couleur. Ben pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe, on oui. sait pas ce que c'est. Hein. J'ai trois... C'est à géométrie variable, hein, le bleu. Hein, donc je l'utilise pas, justement pour prouver que c'est pas une seule. Il n'y a pas qu'une seule signification. La femme piège, par exemple, c'est la première fois que je me dis tiens, pilosité naturelle bleue. Bon, là on est dans quelque chose d'étrange, de décalé, mais de très sensuel. C'est pas inquiétant vraiment, c'est fascinant, c'est étrange. Il y a un autre bleu, il y a une autre tache bleue alors qui apparaît dans mon deuxième film. Tycho Moon, que personne n'a vu, mais je peux vous raconter ce que c'est, l'histoire. Donc, c'est Michel Piccoli qui joue le rôle d'un dictateur sur la Lune, hein, normal. Et c'est familial, il a une tache bleue ici, comme ça. Il a une tache bleue. Ses fils sont obsédés à l'idée de l'avoir, la tache, et ils l'ont tous l'un après l'autre. C'est terrifiant. Son jumeau a également cette tache bleue. Bon, bref, c'est quelque chose d'assez malsain, maléfique, maladie. Bon. On ne veut pas toucher, c'est bon. Ça, c'est négatif.
Dans Bug, il y a ces taches. On ne sait pas ce que c'est, elle est esthétique. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est malsain? Moi, non. Pour l'instant, je n'ai pas senti de choses malsaines là-dedans. Et la fin du deuxième volet, on comprend que ça ne le sera pas malsain, parce qu'il y a une capacité de communication en Bluetooth. Oui, tout à fait. En Bluetooth. Oui. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Bluetooth a été inventé avant. Non, Wi-Fi, on va dire. Entre Hub et cette jeune femme médecin qui l'accompagne. Et la fille, d'ailleurs, veut être contaminée. La fille de Hub veut être contaminée pour pouvoir parler à son père. Est-ce qu'elle sera contaminée? Vous le saurez en lisant le troisième volet. Mais en tout cas, c'est... Donc là, on est dans un bleu qui est... Qui, pour moi, il sera de plus en plus bienveillant et complice, et deviendra le complice de Hub. Quand Hobb comprendra son pouvoir. Une autre chose que j'ai notée dans Buck, c'est la place de la presse, en fait. Vous vous amusez beaucoup à refaire des placards avec les jeunes ou moins jeunes gens qui se retrouvent à vouloir communiquer. Il y avait ça aussi dans... Alors là-dessus, vous avez raison, la foire aux immortels. La foire aux immortels. Absolument. Ça, c'est... C'est assez une constante. C'est vrai que pour moi, la presse, alors aujourd'hui, évidemment, elle a beaucoup changé, donc c'est plus difficile d'en parler. Mais comme tout a disparu, donc on revient à l'ancienne presse. C'est ça. Et voilà. Du coup, j'en parle. C'est pas que la presse d'aujourd'hui ne m'intéresse pas, mais elle est elle-même perdue. Les médias sont perdus parce qu'ils sont obligés d'aller vite, le continu, l'impossibilité de vérifier des informations, etc. Et puis en plus, il y a les réseaux sociaux qui parasitent tout ça. Donc c'est un désarroi total et c'est une profession que j'admire, j'estime éminemment. Donc là, je suis très content de revenir au papier. Et par exemple, sur cette case qui a été dans le premier volume et dans le second qu'on retrouve en fait, qui a été assez commentée, où on voit donc Notre-Dame sans sa flèche, avec une... Elle a brûlé entre les deux volets. Ils ont reconstruit très vite. Hein, je veux dire. En 10 jours, ils ont reconstruit. Non, je plaisante, j'ai oublié complètement. Mais ça a été beaucoup commenté aussi. Oui, ça a été beaucoup commenté. Notre-Dame est une mosquée à côté, donc un symbolisme enfin, très fort et qui est ramassé en fait dans une seule case. Et je me demandais si vous n'étiez pas finalement un dessinateur de presse qui s'ignore ou qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer de cette manière, ou je me trompe? Oui, vous vous trompez. D'accord. Non, tant mieux. Je plaisante. Non, d'abord, là aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce métier parce que je pense que je ne saurais pas le faire. Vraiment, j'ai pas le. Il faut une espèce de réactivité en permanence, mais c'est une gymnastique. Hein, le muscle du cerveau est travaillé autrement. C'est une façon d'entrer dans une logique que j'admire énormément, c'est être sans arrêt réactif sur les événements. Moi, j'ai besoin de temps de développer. Donc là, c'est simplement, en même temps, ce que vous dites est juste, parce que cette image, elle est... disons que j'ai décidé de ne pas parler de religion, pour l'instant, dans Bug, parce que j'ai tout donné sur l'obscurantisme. J'ai sorti ma... J'ai craché mon venin sur ces idéologies-là dans le sommet du monstre, dans le 32 décembre. Après, ça a bifurqué ailleurs parce qu'il y a eu la vérité, la réalité du 11 septembre. C'est ça hein, qui a fait que j'ai changé de trajectoire après, ce qui a perdu beaucoup de lecteurs. Je les comprends, mais moi, je m'y suis retrouvé. C'est essentiel. Et ça tient, tient la route. Donc là, effectivement, cette image-là m'évite de parler de ça, mais par contre, ça dit beaucoup de choses. À chacun d'interpréter ce qu'il veut. Notre-Dame, alors sa flèche, bon, on oublie, elle est oubliée, mais cette mosquée qui est là, il y en a une autre un peu plus haut, là, le long du pont, il y en a une autre un peu plus verticale. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à chacun d'interpréter, mais c'est une vision possible, plausible de Paris et pourquoi pas de Bordeaux. Et pourquoi pas de Marseille dans 10, 15, 20 ans? Moi, ça me paraît plausible. Ouais. Houellebecq en a fait un livre avec Soumission. Absolument. dans la manière dont vous racontez...
pardon, votre, vous avez évidemment changé de, enfin, je trouve, changé de dessin entre le coup de sang et Bug. Pour quels, enfin, quels impératifs en fait ou quelles envies vous ont un peu dirigé sur changement de technique? Ouais, ce changement de technique. J'avais lorsque j'ai terminé le monstre, donc les quatre volumes du monstre, où c'était chargé de couleurs, où c'était très 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 peint, enfin, j'ai eu besoin de me reposer sur quelque chose de plus sobre. Et donc je choisis pour Animals et pour toute la tétral, pour le coup de sang, de technique, changement technique, c'est du dessin sur papier teinté avec des rayons de blanc. Et éventuellement une petite couleur, mais tout ça est au pastel, crayon. Il n'y a pas de peinture du tout. Mmh. Donc ça, c'est un changement de technique. Donc l'aspect visuel change aussi, forcément. Donc je traite dans cette technique-là le Animals, Julia et Rome, qui est une variation toujours dans la thématique de la survie après un coup de sang de la planète. Variation sur Roméo et Juliette, sur la culture, sur la mémoire. C'est une mise à l'épreuve. C'est un livre que j'aime beaucoup personnellement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et là aussi, c'est la même technique, sauf que le papier et le fond a changé. Il était gris-bleu dans l'Animals. Là, il est plutôt couleur ocre. On est sur Terre, dans le désert, etc. Dans le troisième volet et dernier volet, la couleur de l'air, je commence sur un papier plus foncé pour la partie air. On a à bord notamment d'un dirigeable, etc. Et puis on bascule petit à petit dans la couleur. Dans la couleur, tout à fait. Ouais, la couleur. Et on finit sur une magnifique planète cubique. Oui. Ça, d'une grande logique. Tout à fait. Donc je retrouve déjà à ce niveau-là la technique en fait qui est ma technique principale, celle qui est celle de qui vient du sommet du monstre, donc qui est, que je réapplique dans Bug. Mais Bug, sa facture plus classique lui donne un côté plus rassurant et plus accessible, mm-hmm. ce qui est vrai d'ailleurs. Et la narration est plus classique, même s'il y a des ellipses très 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 radicales. Ça, c'est un choix aussi. Et mais c'est voilà, c'est une. Il faut, je pense qu'il faut éviter de finir les images. Il faut qu'il y ait une fluidité là aussi. Une image trop finie est une image figée, donc elle interrompt la lecture. C'est peut-être aussi lié à la narration que vous avez choisie, en fait, qui, à mon sens, fait pas mal référence à la narration de la série télé. Il y a des personnages secondaires qui sont très forts, des ellipses, comme vous le signaliez, des cliffhangers, pour parler français, enfin, beaucoup de choses qu'on retrouve même dans le rythme, je trouve, narratif. Vous faites partie des fans de séries, vous en regardez beaucoup, ou ça vous a inspiré pour Bug en particulier? Oui, bien sûr, je regarde des séries, mais pas, j'arrive pas à suivre le rythme, parce que j'ai des copains, des copines qui... Ils doivent passer leur vie à regarder des séries parce qu'ils me disent t'as pas vu ça, t'as vu ça. Mais attendez, je suis là, moi. Je peux pas. C'est assez surprenant. Donc je me demande si les gens ils font pas du, ils regardent pas un quart d'heure par-ci par-là et puis ils se disent après j'ai vu ça. Bon, je pense qu'ils doivent un peu c'est ça. Possible. Ça, vous pourrez peut-être le confirmer. Mais en tout cas, c'est bien sûr que la logique de la série, mais c'est en fait la logique de la série, ça vient aussi des feuilletonistes du 19e, du 20e oui. siècle, le début. Enfin bon, bref. Mais c'est effectivement ce principe-là. Et je suis tout à fait d'accord que les cliffs, comme on dit, les chutes finales de mes deux premiers épisodes, de mes deux premiers volumes, sont méchantes, surtout la première. Oui. Hein, la deuxième, ça va, on a la tourette Eiffel qui penche, bon, tout peut arriver, mais on peut dormir sur ses oreilles, alors que dans le premier, on était quand même frustré dans pleine action. C'est la loi du genre, et ça, je pense aussi que tout le monde maintenant est habitué à ça, à vivre avec ça, et je pense pas qu'on m'en veuille pour ça. Non, 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 pas du tout. Après, ça peut vous obliger dans le sens où du coup, vous créez une très forte attente de la part de vos lecteurs. Donc, peut-être une volonté de sortir des albums plus rapidement. C'est ce que j'ai fait quand même. Oui, oui. Entre le 1 et le 2, là, j'ai tenu un engagement à la fois vis-à-vis de mon éditeur, qui voudrait que j'en fasse plus. Lui, il voudrait que j'en fasse 3 par an. Je dis que je ne peux pas. Moi, je n'ai pas une équipe de corvéables. Je travaille tout seul. Mais même pour moi et pour les lecteurs, parce que je sais parfaitement que 2 ans c'est long, donc là il y a moins de 2 ans et c'est pas mal.
Tout à fait. On se rapproche de la fin. Alors, vous avez été juré au festival. Pas juge, hein, juré. Juré au festival de Cannes. Bon, j'imagine que ça a été un immense plaisir. La Palme d'Or, vous la trouvez bien, Parasite? Oui, bah absolument. C'est à l'unanimité et en plus, c'est le seul film que j'ai vu seul, sans mes camarades. Parce qu'il y avait parfois des séances le soir, et puis ceux qui n'avaient pas vu le film le soir pouvaient le voir le lendemain matin. Bon. Et moi, j'avais zappé celle du soir de ce film-là, donc le film coréen, parce que je m'étais fait deux autres films de manière rapprochée, je voulais être à peu près frais pour le découvrir. Donc moi, je l'ai vu le lendemain matin, avec Inaratu, hein, qui avait zappé aussi. Donc on était presque à côté l'un de l'autre, hein, voilà, on avait laissé un peu d'air pour ne pas s'influencer. Et à la fin du film, le regard qu'on a échangé, c'était le regard de quelqu'un de soulagement, parce que il ne restait plus que 3 ou 4 jours de festival et qu'on n'avait pas vraiment eu encore de coup de cœur. Pas de coup de cœur, mais voilà. Et là, c'était une évidence. Et les autres qui l'avaient vu la veille, pareil. D'accord. Donc on était vraiment... Et en même temps, on était ouvert à une bonne surprise, on était prêt à être cueilli par un autre film, mais il y en a eu des bons, hein. Il y a quand même des bons films. Hein. Et donc on était tous raccord là-dessus. Dans le débat final, le dernier jour, on nous a enfermés dans une villa, on nous a pris nos téléphones portables. Et lors de la délibération Palme d'Or, mais... En 10 secondes, d'accord, j'ai attribué. Bon, c'est bon. Le grand prix, pareil, c'est un film imparfait avec plein de petits défauts, mais film avec peu de moyens, Atlantique, et qui a, on l'a vu presque au début de la compétition. Et il a laissé nous a tous laissé une trace, à tel point que quand on est arrivé à la fin, il était là dans nos têtes, et on s'est dit, ce film là doit, on va l'aider en plus, réellement. Le grand prix, c'est bien. Et puis voilà, après, ça a été des dissensions. Moi, je n'étais pas été d'accord sur certains points. On s'est un peu affronté, mais j'étais en minorité. Moi, j'aurais aimé que le film de Malick ait quelque chose. Moi, j'aime beaucoup ce cinéaste. Mais en tout cas, l'ensemble, on assume tout et on est très, très, très fiers de l'expérience et très contents de cette rencontre. Voilà. Et pour terminer, est-ce que ça vous a remis sur la voie du cinéma, peut-être, ou vous redonnez des envies de... Oui, je les ai toujours, mais il y a eu. Je ne vais pas vous raconter les trucs qui ont failli se faire, ils ne sont pas pu se faire, parce que c'est toujours des histoires d'argent et que mes projets. Alors, ça fascine certaines personnes, mais donc il y a des producteurs qui se battent, mais arrive le moment où il faut qu'une chaîne décide de sortir. Le carnet de chèques pour dire oui, et là on tombe en général sur un système très formaté qui peut s'extasier sur des films de science-fiction, mais il s'extasie que sur des films de science-fiction qui viennent de l'étranger et qui sont déjà faits. Mais par contre, il manque ce courage de se lancer dans la production d'œuvres un peu décalées, un peu. Donc, ça c'est un problème du qui est lié à plein de choses économiques et puis un formatage. Mais ça, c'est comme ça depuis un certain temps, on le sait, donc je ne vais pas pour autant faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Tout à fait. Donc, ou ça se fait ou ça ne se fait pas, mais j'ai des projets, dont Bug en adaptation. D'accord. Pour France Télévisions, je travaille avec Dan Franck, on fait l'adaptation ensemble de Bug, et ça devient tout à fait autre chose. S'il est temps. Merci beaucoup merci de nous avoir...